Bonjour à tous, nous sommes le lundi 18 juillet et on se retrouve pour une petite présentation de Diamond Painting de chez Action. Donc c'est la collection qui tourne depuis un petit moment, enfin tout le monde ne les a pas en même temps, moi je les ai seulement trouvés dans mon Action. Mais bon, comme je vous ai déjà dit, je crois que chez nous, ils sont toujours un petit peu en retard. On ne doit pas être les premiers servis, je pense, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de les trouver. Et du coup, j'ai pris donc les 4 de la collection, parce que je crois qu'il n'y en a que 4. Et donc, ce coup-ci, c'est des 30 par 40. Voilà. Et donc, pardon, j'ai perdu mes mots. Donc la boîte est un peu plus grosse que les autres, hein, mais elle reste jolie puisque maintenant ils font avec des reflets, donc ça reste très joli. Mais je ne pense quand même pas garder l'image puisque voilà, moi je vais l'enlever de la boîte, je vais jeter la boîte et en général je fais une photo de cette image pour pouvoir coller dans mon carnet de projet, enfin de suivi. Et je fais une deuxième que je glisserai dans le Diamond Painting pour savoir que c'est celui-ci. Voilà, en général, je fais comme ça. Mais je vous avais déjà montré, il me semble. Donc, on va découvrir la première. Donc, ce sont des perroquets avec des fleurs. Alors, je suis désolée, je ne filme pas avec la lumière du jour puisque vous savez que ce lundi, ils annoncent des très grosses chaleurs. Donc, du coup, on est un petit peu obligé de rester enfermé dans le noir. Enfin, dans le noir, non, puisqu'on a la lumière. Mais disons que c'est quand même mieux de garder les volets fermés pour essayer de garder un minimum de fraîcheur. Donc, je suis désolée. Et j'aurais pu vous filmer la vidéo, un petit peu plus tôt, effectivement. Mais ce matin, j'avais des choses à faire, donc je n'ai pas eu le temps. Donc, je vous la tourne là. Alors, on va découvrir la première. Donc, je trouve que ça fait un peu bizarre de retourner vers des petites toiles comme ça. Mais elles sont très jolies. Donc voici la première qui est en, comme je disais, 30-40. J'espère que le reflet ne vous dérangera pas de trop. Elle est jolie, hein. Elle ne me tentait pas plus que ça, mais bon. Vu le prix des toiles de chez Action et la qualité est quand même relativement bonne. Pourquoi se priver si on peut les avoir. Donc c'est une toile que j'ai eue. Donc en fait les 4, hein, parce qu'il y a 4 toiles. Elles étaient à 4,39. Donc ça reste très correct. Même s'il y a eu une petite augmentation. Parce qu'au tout début, les 30-40 n'étaient pas à ce prix-là. Je crois qu'ils étaient à 3,99 ou quelque chose comme ça. Mais même 4,39, ça reste correct pour. 30-40 avec en général quelques diamants ou strass ou diamants spéciaux ou métalliques. Donc ben, pareil, on a toujours ce petit bord blanc qui, ben, comme l'autre collection, il n'y a plus d'écriture autour. Donc je trouve que c'est bien parce qu'on peut garder le cadre au final. Ou si on veut les accrocher, bon, on peut toujours un peu redécouper. Mais disons qu'on peut garder ce cadre blanc et je trouve ça c'est bien. C'est bien, c'est bien pensé. Donc la toile est toujours quand même de bonne qualité, elle est épaisse. Le film, c'est du papier blanc, donc aucun risque de rivière. Voilà, ça colle, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup les toiles avec le papier transparent comme ça. Parce que je trouve que c'est quand même largement mieux. Vous
Déjà, on voit l'image, on n'a pas besoin d'enlever le papier, de le remettre. Donc ça, c'est un point positif. Au niveau des symboles, alors je viens de voir que nous avons des majuscules et des minuscules. Mais au niveau visibilité, c'est nickel. Franchement, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas se tromper et on ne peut pas faire mieux. Donc voilà, bah on a toujours la feuille de route qui, moi, je trouve est très jolie. Voilà, c'est vraiment un effort de présentation sur la feuille de route. Elle est vraiment jolie. Le toolkit, c'est toujours le même à force. Hein. On a toujours le même toolkit de base hein, qui est largement suffisant pour commencer une toile. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai qu'après, quand on fait beaucoup de DP et qu'on essaye d'autres choses, voilà, le toolkit là, on le trouve nul, hein, pour dire ce qu'il y a. Hein. Mais pour débuter, il est largement suffisant. Voilà. Donc, ah oui, je ne vous ai pas dit le nombre de couleurs sur celui-ci. Il y a pas mal de couleurs, hein, effectivement. Donc, 7. couleurs. Oui, donc 29 couleurs. Excusez-moi, j'étais en train de lire. En fait, je ne me suis jamais attardée sur ce qui était écrit sur le côté parce que quand on sait faire du diamond painting, on ne regarde plus ce genre de choses. Mais ils donnent en fait quelques conseils. Donc voilà, ils disent qu'il faut bien poser la feuille avec le patron sur la table, enlever le film de protection transparent avec précaution à l'endroit où tu commences. Il tutoie, mais bon, c'est pas dérangeant. Hein. N'enlève pas le film entier, car le fond est collant. Voilà, donc ça, c'est un bon conseil, je trouve, pour les débutants, hein, puisque, comme dit, après, quand on le sait, on ne fait pas l'erreur. Choisissez une couleur de pierre. Par exemple, la couleur A et colle les petites pierres sur toutes les cases avec un A. Utilise le plateau de tri fourni pour y déposer les pierres ou diamants de la même couleur. Prenez ensuite le morceau de cire, retirez le film protecteur et enfoncez la pointe du stylet dans le cire. Attrapez maintenant facilement les diamants du plateau à l'aide du stylet et les disposez avec précision sur la toile autocollante. Donc, conseil 1. Donc, ce que eux, ils conseillent, colle d'abord les petites pierres d'une même couleur et passe ensuite à la couleur suivante. Non, je trouve pas que... Enfin, personnellement, hein, je trouve pas que ce soit... parce qu'en fait, ils ont l'air de dire qu'il faut coller, par exemple, tous les A. Alors bon, des A, par exemple, il peut en avoir toute la toile. Donc, je pense pas que ce soit un super conseil. Si j'ai bien compris, hein, parce que vous allez par exemple trouver du A ici, donc vous allez devoir décoller, recoller, vous allez sûrement coller votre bras parce que il y aura des endroits collants. Donc non, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Il faut faire par petite zone, vous commencez à un endroit et puis vous allez, quitte à vous ranger. C'est vrai que vous rangez beaucoup de fois les diamants, vous les reprenez, vous les rangez. Mais disons que c'est quand même mieux de faire par petite zone que de faire par couleur. Alors moi, de connaissance, j'ai jamais vu personne qui faisait par symbole ou par couleur. Ma foi, dites-moi en commentaire si vous vous faites comme ça, mais je ne pense pas que ce soit le plus pratique à faire. Donc après, ils disent enlever le film de pourtant, ils disent enlever le film de protection progressivement jusqu'à ce que tout soit couvert de petites pierres. Il est parfois, alors le conseil 2, il est parfois difficile d'insérer une petite pierre entre deux autres déjà posées. Dans ce cas, il suffit d'appuyer plus fort pour insérer la petite pierre au milieu. Oui, c'est vrai. Tout en essayant de garder les diamants quand même bien droits, puisque des fois ça peut se décaler et ça fait pas joli. Donc voilà, alors c'est vrai que je ne m'étais jamais attardée sur la notice, puisque voilà, mais bon, comme ça maintenant on a regardé.
Donc ensuite, au niveau des diamants, je ne vais pas les déballer parce que c'est toujours pareil. Hein. On a de très belles couleurs, ben forcément, puisqu'il y a des oiseaux et tout ça. Je vois pas de... Genre, je ne sais pas s'il y a des AB ou... Y a... Non, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a pas de AB. Alors là, il y a un jaune. Un jaune, là, j'ai jamais vu ce... Enfin, je n'ai jamais eu ce genre de jaune. Mais apparemment, il n'y a que des diamants classiques. Donc voici pour celui-ci. Ensuite, on va regarder les autres. Hein, parce que, il n'y a plus rien à dire hein, sur ça. J'aime bien ranger au fur et à mesure, mais c'est vrai que pour vous, c'est pas très intéressant. Bon, quand on a la main, on a à peu près l'habitude, ça va tout seul. Donc, je le rangerai après. Donc, ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Donc, c'est le même principe, hein. Y a rien qui change. Hein. Et donc, pareil, 30, 40. On va regarder si on trouve des diamants spéciaux. Voilà. C'est un peu embêtant parce que vous avez l'ombre, donc du coup c'est un petit peu pas très joli, mais bon, je suis vraiment désolée. L'essentiel c'est que vous voyez l'étoile. Hein. Des fois vous êtes intéressé d'aller vous en chercher une. Donc ici nous avons la tour Eiffel avec un paysage autour des arbres, des fleurs. Un peu la. Voilà. Elle est vraiment jolie aussi. Elle rend super bien retour caméra. Et c'est tout à fait ce genre de toile qu'on peut offrir à quelqu'un. Parce que ben c'est vrai que les animaux, tout ça, bon, faut vraiment être sûr que la personne aime l'animal en question. Mais là, les paysages, je pense que ça peut passer un peu partout comme les oiseaux. Pour offrir, ça peut être bien. Donc voilà, on est sur le même principe, hein, les symboles sont visibles, il y a des majuscules et des minuscules, mais bon, on s'en sort facilement. Elle a pas mal de couleurs aussi, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bon, le toolkit, ben voilà, hein, je vous en parle pas, la feuille de route c'est la même, et les diamants, alors je vais juste regarder... On a aussi de beaux diamants, mais on n'a rien qui... Il n'y a pas de AB, il y a juste une couleur, comment on dit. Alors, je vois pas si c'est des... Ça doit être des métalliques. Voilà, on a juste un sachet de diamants métalliques. Voilà. Sinon, ben, tout le reste... des classiques. Alors, j'avoue que je suis moi j'aime beaucoup l'étoile avec les AB et des diamants spéciaux, donc je suis un petit peu forcément déçue, mais ça reste quand même une belle petite collection. Donc voilà, je vais pas m'attarder hein. C'est vraiment le même style que la première. Voilà, donc on range et je vous montre les deux autres. Vous voyez, moi je fais comme ça et hop, ça glisse tout seul et c'est rangé. Ensuite, celui-ci. Je vous avoue que ben c'est celui-ci que je voulais absolument
Les autres, j'aurais pu m'en passer, honnêtement. Parce que, bah, ils sont jolis, hein, mais celui-ci, bah, vous me connaissez. Voilà. Moi, tout ce qui est en rapport avec, déjà en rapport avec les animaux, j'aime beaucoup. Mais alors, suffit qu'il y ait un chat dessus, c'est... Voilà. Vous me perdez. Donc, celui-ci, c'est vrai que je voulais absolument. Enfin, absolument. Après, j'aurais pas payé une somme énorme pour avoir pour l'avoir absolument. Je regardais un petit peu les prix sur Vinted, il n'y en avait pas tellement. Mais bon, j'aurais pas payé non plus 20 euros pour l'avoir. Faut quand même pas exagérer. Je trouve que... Alors que les gens... Après, c'est mon avis, hein, on revient toujours au même. Que les gens mettent 1 ou 2 euros en plus, oui, pourquoi pas. Mais des fois, quand c'est le double... un peu exagéré. Donc ben, celui-ci, je l'ai déjà déballé pour tout dire, hein. J'ai regardé quand je les ai achetés, tout le kit de base, la feuille de route, hein, qui est toujours la même, et voici le chat. Alors il est très joli, hein, mais quand je vois tout ce noir là, je me dis aïe 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 aïe. En espérant que le noir soit bien taillé. Parce que le panda, c'était pas ça quand même. Hein. Donc bah, on verra bien, hein, ma foi. De toute façon, on n'a pas le choix. Au pire, j'irai dans mon stock reprendre des diamants mieux taillés. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a des AB? Franchement, j'hésite. Le bleu, là, on a l'impression que c'est un peu AB. Mais je ne suis pas sûre, en fait. Ils ont l'air... franchement, je ne sais pas. Ça a l'air d'être DAB, quand même. Alors, il y a le bleu, il y a un rose. C'est des AB, mais pas, je trouve qu'ils n'ont pas la même, le même éclat que d'habitude. Alors, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être mes yeux, ou c'est peut-être parce qu'on est à la lumière artificielle, justement. Même le vert, hein, il est un petit peu, ou alors ils sont extrêmement brillants. Le vert, pareil, je ne sais pas, j'hésite entre du... En tout cas, s'ils sont AB, ils sont pas, je trouve pas assez pétants. Enfin, pas assez. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Oui, ça a l'air quand même d'être des AB. Parce que, par exemple, vous voyez ici, je sais pas si vous allez, vous voyez là, on voit quand même bien que c'est des AB. Ils sont bien, bien brillants. C'est un exemple, hein. Que là, je sais pas. Je les trouve moins brillants. Donc, à voir. Dites-moi si vous l'avez fait ou si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Il n'y a pas de souci. Hein, j'accepte tout commentaire tant que ça reste dans la bienveillance et que ça reste correct. Hein. Pareil, hein, je range. Tac. Il me hâte de le faire, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'achète des toiles de chez Action, je me dis toujours j'ai hâte de le faire. Comme le dernier, là, le renard. J'ai aussi très très hâte de le faire. Mais bon, à force, on a tous hâte de les faire, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc voici pour le chat et la dernière, donc ben, je pense que si vous connaissez la collection, c'est le, là j'ai un caméléon, pardon, il est très joli, hein, je trouve qu'il a aussi de très très belles couleurs. Alors, on va regarder qu'il en est.
Rien que déjà voir ce que ça rend sur la toile, parce que le reste, on connaît. Hein. Je pense qu'on connaît tous. Allez, on découvre ça ensemble. Donc, toujours la belle petite feuille de route. Le toolkit, ben, même. Ouh, alors là, il y a des diamants. Ouh, alors celui-ci, il y a des diamants spéciaux. Alors là, ça y est, j'ai bien fait. Donc, le voici. Oh, il est magnifique quand même. Alors, comme ça, j'espère que vous le voyez bien. Et en plus, on a des diamants spéciaux dedans. Donc, que demander de plus? Ah, je suis désolée, le chat, je ne vous ai pas dit le nombre de couleurs. Donc, je pense une vingtaine. Donc, le caméléon, on va regarder. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 et 15, 30. Ah ouais, c'est pas mal, hein. 30. 30 et on a donc du coup 3 diamants spéciaux. Donc des oranges, des bleus et des verts. Et est-ce qu'on a du noir? Alors du noir, oui, on en a. Comme toujours. Est-ce qu'on a des AB? Non. Alors, pas du tout. Pas du tout de AB. Non, pas du tout. C'est juste les 3 diamants spéciaux ici. Et après, c'est des couleurs classiques. Bon. À Action, il faut qu'ils nous sortent une petite collection avec des AB et des diamants spéciaux. Après, bon, je suis d'accord. Hein. Tout le monde n'aime pas les diamants spéciaux. Tout le monde n'aime pas les AB. Donc, il en faut pour tout le monde, mais voilà. Donc, celle-ci, en fait, je pense que ben, ça colle bien, hein, comme d'hab. Ouais. Il y a les symboles, bah, pareil, hein. Ils sont nickel. On ne peut pas se tromper, je le répète, hein, mais on ne peut pas se tromper. La toile est bien, elle est un peu épaisse. Elle est facile à mettre bien à plat. Hein. Vous la mettez même une journée avec quelque chose de lourd dessus. Et puis, je pense que c'est bon. Hein. Voilà. Donc, ben, voilà cette petite collection. Je pense qu'ils nous ont encore gâté avec cette petite collection bien sympathique. En plus, ce qui est bien, ben, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des animaux, des paysages, ce qui est plutôt pas mal. À voir maintenant la prochaine collection. Bon, peut-être que août, il n'y aura pas grand-chose. Je ne sais pas. Après, on verra bien. Ça, c'est la surprise de chez Action. Mais bon, c'est vrai que je dis comme par chez moi, ils sont toujours en retard. Parce que cette collection, moi, ça fait vraiment un moment que je la vois tourner sur YouTube. Alors, je ne sais pas si d'autres régions sont prioritaires ou pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu... des fois, c'est un petit peu, bah, je dirais pas stressant jusqu'à là, mais voilà, on se dit, et nous. Donc, on va voir dans les actions, on regarde plusieurs fois, ben non, toujours pas, toujours pas. Et là, je l'ai trouvé... en fait, j'étais tentée de retourner plusieurs fois à Action. Puis à chaque fois, je me suis dit, oh, non, parce que bon, moi, je suis quand même à presque 30-35 km du premier Action. Donc, voilà, j'étais tentée, mais y aller exprès pour ça, j'ai dit non, faut quand même pas exagérer. Et du coup, bah là, je passais, justement, j'avais un rendez-vous médical beaucoup plus loin et je passais devant. Et j'ai dit à mon conjoint, ben, je dis, viens, je vais quand même aller voir vite fait.
Alors, je vous avoue qu'il n'était pas chaud sur le début parce que bah, il m'a dit ouais, non, enfin, on était, il faisait très chaud et bon, on en avait un petit peu marre. Mais bon, on est passé vraiment vite fait. Je lui ai dit, je te promets, je regarde juste les DP et je sors. Donc, du coup, ça a pris 5 minutes et j'ai trouvé mes 4 modèles et j'étais contente. Comme une petite fille qu'on fait un. Quand on lui fait un cadeau, j'étais contente. J'étais surtout contente pour le change. Voilà. Je me suis dit, je l'ai trouvé, c'est super. Donc voilà, bah, bref de papotage. Hein, moi, je vous laisse sur cette petite présentation. J'espère que elle vous aura plu, malgré, bah, comme dit, que ce n'est pas la lumière du jour. Hein, on est obligé de fermer. Et bah, moi, je vous dis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être pour très bientôt des nouveaux DP de chez Action. Pourquoi pas? Voilà, ben, je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée, une bonne soirée. Enfin, tout dépend de comment vous regardez la vidéo. Et je vous dis un grand merci de me suivre pour ceux qui me suivent. Et ben, je vous dis à bientôt. Bye bye!